Le groupe est davantage en confiance qu'il y a un mois, c'est sûr. Maintenant, on a encore des matchs à gagner et il faut encore qu'on progresse sur certains points. On a gagné 6 matchs sur 7 en championnat, on est sur 4 victoires d'affilée. On espérait qu'en récupérant Nick, parce qu'on a joué quand même la moitié de la saison sans lui, il allait nous aider. Que le calendrier, en jouant un peu plus à domicile, allait nous aider aussi. Ça a été le cas. Maintenant, il faut confirmer et continuer à avancer. C'est une équipe qui est plutôt bien construite, avec beaucoup de stabilité technique. C'est une équipe qui a un gros fond de jeu. Il y a aussi, à mon sens, l'éclosion d'un joueur comme Rossard qui a toujours montré de belles choses et un beau potentiel, mais cette année, il l'exploite réellement. Puis c'est une équipe aussi qui a eu du temps au début de saison pour se préparer quand d'autres équipes toujours pas trouvé le temps de le faire. C'est un bel équilibre et on connaît leur valeur morale de combattants. Donc tous ces petits facteurs font qu'aujourd'hui ils sont bien en place dans le championnat. Si on gagne, oui, on se rapprochera. Maintenant, si ça ne devait pas arriver, ça va pas non plus nous empêcher d'avancer après ce match-là. Mais c'est vrai que ce serait un point marquant de notre saison, je pense, que si on arrivait à gagner ce match-là.